sais même pas ce que. Bon, ben, c'est quoi? Qui t'a dit de pas monter? Parker, le candidat malheureux d'autrefois. Pourquoi vous n'êtes pas là? Vu mon mari dit. Notre mari, s'il te plaît. C'est moi, je connais. Il dit, il était dit. Il faut dire à quoi, mais puis le blanc là. Que le mois est fini. Ils n'ont pas payé mes raisons. Le blanc, ne sois pas. Mon mari me charge de te dire. Tu dis quoi? C'est fait du mois, donc il faut payer la maison. Donc si je suis bien ma compréhensibilité, c'est ton mari, le recompensé vibrement qui te l'a dit. Je me dis. Oui. Qui là-bas là? Là-bas là, tu veux dans le jardin là-bas? Moi je veux, c'est là où on vend du bon, hein, comme une bonne boisson, l'alcool, comme le capole de toute façon. Oh, oh, fallait me dire ça! Oh, bâtard du coco, t'as tu sais ce que tu as fait, Nobi? Regarde, tu vois, au carrefour là-bas là, regarde, regarde là-bas, tu vois, carrefour là-bas là, tout droit là, à ta droite là, voilà, il y a un bon coin là-bas. Okay. Voilà, tu peux t'en jaillir. Ok, ciao, ciao. Les accusés de ce tétorium non autorisé ne sont pas là. Même pas ce que. Ami, oh. Non, depuis le matin, là, ça allait là, tu allais balayer la couleur. Hein? Tu as laissé le moment que Soureille est sorti là, c'est ça que tu as baissé ici, tu as balayé la couleur. Je suis ton enfant. Tu es ma petite soeur. Mais je travaille pour toi. Ça veut dire quoi? Hier, ce matin, oui, je suis là, je n'ai même pas envie de discuter. Il faut me laisser tel que je suis. Tu as compris, non? Et puis? Je n'ai pas envie de parler. Et puis mon mari dit. Notre mari, s'il te plaît. C'est moi, je connais. Il dit, il était dit. Il faut dire à quoi, mais puis le blanc là, que le mois est fini. Ils n'ont pas payé mes raisons. Même pas du tout. Bon, ben c'est quoi? Qui
Qu'est-ce que tu as dit de boire mon thé? Par que le candidat malheureux d'autrefois. Moi, candidat malheureux? Mais oui. Et Ablo, il est qui alors? Ah, c'est ça. Tu oublies que je suis l'autorité compétente qui gère votre dossier sur l'avenir Vieux Brahma ici. Et puis je t'apprends que maintenant je suis devenue magistrate. Voilà. Donc, magistrate. Oui. Mais pourtant, petit, moi je suis le grand Barack Obama, l'homme qui a marié femme blanche. C'est ça. Oui. Oui. C'est ça, oui. Ok. Oui. Si tu veux que tu sois Vladimir Poutine ou Donald Trump, tu sais très bien que c'est moi qui gère vos dossiers sur cette avenue. Donc, ce titre, je dois le préserver pour tout ce qui peut vous nuire. Est-ce que tu le sais? Ça veut dire quoi? Moi, le grand paquet, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me nuire dans cette avenue? Tu peux monter, je te parle et puis tu me parles de Vladimir Poutine ou je ne sais qui. Écoute, paquet, de toute façon, comme tu es un civil, donc en droit juridique, tu es novice. Zébla, ne sois pas. Mon mari me charge de te dire. Tu dis quoi? C'est fait du mois, donc il faut payer la maison. Donc, si je soutiens bien ma compréhensibilité, c'est ton mari, le recopassé vieux vraiment qui te l'a dit. Je me dis. Oui. D'accord. Je vais te dire quelque chose. Mm-hmm. Avec la vérité qui me caractérise, il faudrait que tu saches que s'il y a un début de mois, il y aura forcément une fin de mois. Et donc, que ce soit le début ou la fin du mois, cela est pour moi un épiphénomène. Moi, je ne pense pas à la fin du mois. Moi, je pense au développement de l'Afrique que vous détruisez avec votre cour construite du temps de Mathieu Zalem et que vous augmentez de façon anarchique le coût du loyer. Comme tu gagnes maison pour dormir dedans. Ça, il parle beaucoup. Pourquoi tu parles comme ça? Je ne raconte pas. Mais... vous êtes des atalifs au champ. Hein? Au fond. Le blanc, il explique qu'il ne s'y pas déjà. Du quoi, même maman. Faut laisser lui la parole. Kounori qui est là, parler, il ne sait même pas de quoi il parle. C'est même les gars gagnent maison pour dormir. Mais il va payer maison. Attends, il va payer. Dans les yeux. Aïe, c'est trop facile. Il va payer maison là. Ça, c'est trop facile. Tu donnes la maison des gens, tu ne veux pas payer. Ami, ami, voici Bobo là. Hé, hé. Bobo là, faut dire. Mais ça, le paresseux. Viens. Bobo. Attends, c'est moi le rêve. Tu as compris, non? Responsable comme ça, vous parlez. Vous parlez comme ça là. Oh. Il dit responsable. Vous laissez. Oui, tu as quel problème? On dit, maison où tu dors là. Oh là, c'est qui? Mon mari. Attends, je suis pas Abibé. Responsable. Hé, hey, on dit, mais hey, chose, comment on a fait? C'est fin du mois. Ton entrée couchée où tu dors là. Faut payer. Tu as compris? Quoi? On dit, le mois est fini. Hé, hey, il faut te méfier de moi. Hein. On ne paye pas. D'accord, mais attends, entre vous deux, là, qui s'adresse à moi? C'est nous deux. Tu peux faire quoi? À Pitoro. Je n'ai pas bu ton thé. Je l'ai simplement goûté pour chercher à comprendre si les ingrédients que tu as pris pour faire ce thé sont homologués par la Cour constitutionnelle. Est-ce que tu sais? Et puis, une chose, pourquoi tu n'as pas mis de sucre? Tu crois que thé là, j'ai fait ça pour toi? De même, quitte ici. Ouais, pardon, quitte ça. Ici là. De toute façon, il n'y a pas de sucre. Okay, donc. Je ne sais même pas ce que je fais ici. Et puis je vais te prévenir. Ici là, tu n'as pas l'autorisation d'être ici. Je ne sais pas qui tu as visé pour être ici. Donc tu vas déguerpir d'ici la prochaine fois que tu vas arriver. Oui, il faut quitter là. Ici. Ok, la séance est levée. Oh. Ah, toi, tu peux me prendre ton vilain marteau là. Comment ça? Si elle savait que moi-même là, j'étais allé voir le Mauritanien pour prendre sucre à crédit là. Ça, si elle a pris ça, c'est pour prendre pour faire article pour se promener. Il y a quoi? Il y a longtemps. Il y a quoi? Tu vois quelqu'un en train de traverser, tu cries son nom. Il y a quoi? Non, c'est pas il y a longtemps, c'est pas vu ça comment? Vous voulez me voir comment? Non, comment quoi? Vous avez fini de bouffer tout l'argent de transfert là. Vous êtes contente maintenant. Et là, actuellement, je suis dans un pays. Regarde. Qu'est-ce que tu fais? C'est parce qu'il y a longtemps que tu ne vois plus à la cabine. C'est à cause de tes mains. Tu travailles où maintenant, Ablo? C'est pour m'escroquer. Toi aussi, quelle escroquerie? Y a tes escroqueries pourquoi? C'est parce qu'il y a longtemps que tu ne te vois pas, hein? Tu es gentil et puis il y a appris que tu travailles au port maintenant. Y a comment tu es devenue jolie? Pardon? Je n'ai pas bien compris. Non, j'ai appris que tu travailles au port maintenant, quoi. C'est ce qu'ils t'ont dit? Oui, j'ai appris. Est-ce qu'ils t'ont tout dit?
normalement, les gars devaient tout expliquer. Parce que comme ils t'ont dit déjà qu'ils travaillent au port là, on ne t'a pas dit l'endroit où je travaille, dans quel port je travaille. On devait te dire ça. Non, ça, je ne sais pas. Voilà, je travaille au port de Modeste. Ah. Ouais, c'est la route de Bassam. Port de Modeste, là. C'est moi, ouais, ouais, je suis le DG de là-bas. Toi-même, tu es malade. Hein? Aïe. Attends. Toi, Poupou, poussé avant d'allumer là. Tu vas me parler mal. Pourquoi m'insulter là? Je ne suis pas poussé à allumer. Da, aïe, mes raisons là. Je ne paye pas. Voilà. Hein? J'ai vraiment n'a pas venu ma cassé. Toi tu dors dans la maison des gens ici. C'est toi qui n'as pas payé maison. La coule là ça t'appartient. C'est coup ça. Moi quoi moi quoi jamais le riri. Quand tu me regardes, moi je peux jamais payer une coucou comme ça. Quoi hasard comme ça. Et puis j'ai de dormir des gens. Jamais. Toi, tu n'as rien, c'est toi qui as la grande gueule, tu parles pété. Voici sinon, ça on t'a chassé ici, il y a plusieurs fois qu'on te chasse ici, mais tu es là. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est pour quoi comme ça. Moi, quoi, ben, le gars. Il y a longtemps que tu dors dedans. Sinon, d'accord, t'a je peux jasser. Ah, mais coco. On se lui une coup, coco, comme ça, ou Azali. Et puis, j'ai dormi des gars. Va là-bas. Toi, tu n'as rien, c'est toi qui as la grande gueule, tu parles pété. Sinon, quand on t'a chassé ici plusieurs fois, mais tu es calme. Ah. Oula, tu as quitté déjà. Quoi? Quoi? Attends, même. J'attends, je sors plus. Je vais attendre, je vais aller dans le bureau. Attends. Là, moi, des chats, Ronya, va, Adrouya, comme ça. Ah, pitié devant moi. Tu veux ou tu veux pas, maison là, tu vas payer. Regarde-moi un vieux con comme ça, pervers là. Ça, c'est trop facile, tu vas payer la maison là. Aïe. Tu donnes la maison déjà, tu veux pas payer. Regarde ça dans les yeux, un à un ici. Il y a quoi à Modeste? Ouais, ouais. C'est là-bas que je travaille. C'est... Moi-même, je paye les ouvriers. Ah. Point. Bon, d'abord, c'est bon. Tout question là, c'est pourquoi. Tu es devenu boss maintenant. Ça, c'est pas ton problème. Tout question là, c'est pourquoi. Non, c'est rien à applaudir ça. C'est parce que tu es très gentil. Tu vois, dans la vie, je vais vraiment là. Tout le monde parle de ton bon nom. Mais tu as applaudi ça, c'est gentil. Tu vois, non? Même moi, mon nom où je suis là, je confirme ça. Hein? C'est bien. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. On te dit maintenant que je suis gentil. Je suis bien sapé. C'est bon. J'ai compris. Ben, je vais te dire que tu vas beaucoup m'excuser. Tu es pressé. Voilà. Hein, prochainement, on va causer. Tu as compris? Voilà. Allô? Pardon, je ne peux pas avoir un semi-franc. Il va emprunter quoi? Mouna, je te donne combien? Non, je ne peux pas avoir 5 000 francs, je voulais emprunter taxi quoi. Moi, je te donnais 5 000 francs, tu as emprunté taxi. Moi, quand tu m'as vu là, c'est dans taxi, tu m'as vu ou bien tu m'as vu comment? Non, tu marchais. Je marchais? Oui. Tu es sûr que je marchais? Tu marchais, c'est pas moi qui t'ai appelé. Ça veut dire que je n'ai rien. Tu as compris? Ah, tu as changé. Ah, mais tu n'as rien vu d'abord. C'est un masse là, c'est petit. À quoi de petits 5 000 francs t'es demandé à ça? Ça c'est petit là. 5 000 francs là, je dis, il n'y a pas aujourd'hui. C'est de ça, il est violé. Pascal, c'est très doux. Amour,